De retour à la maison, pas le temps de se reposer. Il faut être prêt pour préparer le dîner. Nous allons en cuisine pour voir comment tout cela va se passer. Quel est le menu? Combien de temps nous avons avant que les invités n'arrivent? Gassin retard. Très bien. D'ici 30 minutes grand maximum. Voilà. À la four. Soupe. Très bien. 19h01 à 30, c'est le gosela de Mozihim. Oui. On a pas attaqué les fruits à pas. Très bien. Il casse vos dix. Bon. Gardunga les fruits à pas et namna les fanishirao. Et abo inu des soupes ya les fruits à pas. Oui. Très bien. Li vumba bi chaka idur kay kayna kana. Kena umenya. D'accord. Les invités sont légèrement en avance. Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle? Bonjour. Ça va? Ça va, monsieur? Ça va? Donc, ça Ala fui hula donc home ko kan si hondi horjo kaya e informati inshallah e wa uhana uhana sakwa ziti boda honi ah ziti si boda honi ah wo tu es sage ah d'accord on va goûter bago on est sur la chingazi ah oui tu sens pas bien tu sens pas bien on va garder ça de vrai que j'ai avant. Donc oui madame hein? Ah oui madame Zahara de Mouchaou. Madame Matiki. D'accord. Donc Atiki et Helium, Jahonou. Jahonou Haz, déjà bon. Il fallait des mâles. Moi j'ai l'air de carte à Sitio Hungasina, Wanyasinja. Comme moi j'ai l'air de me sécuriser, tu as l'air. Parce que moi on a l'air de me soucier de Kabadzima, on a l'air de me soucier de Nanya. J'ai l'air de me soucier de Nanya. Passar um serviço aí, né?
Oui. D'accord. Après, c'est le Sénégal de Jélicoli. Donc, c'est le Barry Mamira, la forme de Sangami. Je suis Guyane. Je suis Guyane. Je suis Guyane. Je suis Guyane. Non, mais ma soeur, je suis Guyane. 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 Garçon, on a imaginé que ça coûte à bon, à la fois des films l'Union, donc avant nous à 19h30. Avant nous à 19h16. Je suis dit que je suis dit Finalement, la famille Atiki va s'avérer d'une aide supplémentaire. On va pouvoir aller plus vite. Merci à Ona Crevette. Pour ces deux plats, voici les épices et les ingrédients que nous allons utiliser. La soupe aux fruits à pain est sur le feu. Bonne chose de fait, on avance maintenant avec le gratin de banane. Je dis non, on a gagné les mêmes, vous baissez en retard. D'accord, donc. L'avantage d'éplucher la banane après l'avoir bouillie, c'est que c'est plus facile d'enlever la peau. Nelson Mandela restera le symbole universel du combat des peuples opprimés dans le monde. Continuons la foi.
Pour la soupe. Quand je disais Mbama, je pense que je vais partir. Je suis là. 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 Je Nous avons fait un peu de choses. L'huile d'olive, on a la fleur de caoutchoumia, il y a des crèmes, crème liquide, de caoutchoumia, armée et béchamel. Donc, on va passer à faire une sauce, il y a des saumons, on va passer à faire une sauce, il y a des béchamel. D'accord. Il y a des gratins. Papa sai no da mãe Jesus. Che tungu faumu. Nesingizio. Pour la sauce béchamel, on va commencer par faire cuire l'échalote avec du gingembre. Oui, moi tiar moi chamoula. Par moi surtout les sauces. Comme nous faisons tousi. À matin, nous à matin, à manya dongwe. Il a appris là. Il a tenu au chilo à nous ouvrir un gambabi à tiar moi. Haini eke mungu fanyonfi ifundu ya tie nyadombe na wani mzima ndu ya tie harmwefi donc inu ngira manya dombe ha upen shainu ya hunu ngwa bua dance kartia ovan wa basa ina kartia wefi wa basa ina ngamtio kuma yofike kiri. Saveur, donc je dis bonjour. Mais dis-nous, je dis bonjour. Armoi et gratin. Si au arto au enfi, retiévanu, le fanye béchamel iban. Pour résumer,
La sauce béchamel, on la prépare avec les ingrédients suivants. Pour la soupe aux fruits à pain, il est temps d'ajouter de la crème liquide pour fluidifier tout ça. Ajouter une crème liquide pour ça. Et la crème, aroma et soupe. Na wabangar la uzao tena. Kaila tumurenji zimba shingu. Haumba vili vili. La sauce béchamel est prête, on va pouvoir étaler le gratin. Ça sent bon. Et ma fille, ça sent bon. On fait autant de couches que l'on veut. Ici, on aura deux couches. Les bananes d'abord. Et ensuite le four. Continue de mettre des béchamel de guédjo. Ça a gagné un fil et une robe.
La sauce est là pour tenir la banane et le saumon et ajouter du goût. Maintenant que nous avons étalé tout ça, que reste-t-il à faire? Le gratin est prêt pour le four. Revenons à notre soupe. La soupe de fruits à pain au poireau. Le délétina la haine. En chayant des gens, n'y a rien. N'y a rien. C'est le moment le plus difficile. Maintenant que le travail est accompli, le verdict. C'est une soupe de quoi? Bravo! Visiblement, la soupe aux fruits à pain a reçu des bons points. On sort le gratin du four. On va s'en faire juste le gratin. On va lire le gratin. C'est une bonne couleur. Reste à voir si le goût est au rendez-vous.
Ah, vous avez la voie la hazi. C'est qui le monnaie gratin et le fromage, il dort, il dit ça. Non, je vais te l'aider, je vais te faire ça. Ça va qu'on prépare donc, il y a bon. On a pas de distance, ça, on dit, il est aussi. Il est en bouche. Nous, je suis les bouchers. Ton manga. Ton bouche. Merci. Je tiens à le voir quand même de l'unitis. Le repas de ce soir, c'est un dîner préparé par les deux dames. Madame Ibrahim et Madame Mathématique. C'est du gratin à base de bananes, bananes vertes et du saumon. Donc c'est un repas bon, qu'on voit que vraiment c'est très succulent, c'est très bon. Pour moi, c'est la première fois que je m'en sors. C'est pas salé et c'est très consommable. Voilà, ça ce que je peux dire. Donc, je crois que je vais terminer ma part, puis je vais rajouter un peu. Voilà. Ah, quel misère de voir mon frère Longo. Ah, oui, toujours. On en est là. Yacine d'abord. Ah, Yacine. Moi, j'aime bien ça et ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la banane au gratin. Ça, c'est la quiche. Donc ça change, c'est de l'emblée dans le vavis qui va bien. On voit que vous faites quelque chose, vous faites la grâce, vous faites les vies. Alors ça, on a quand même une vidéo pour dire nos indies. On a fait un peu, on a quand même le vavis, on a pas eu de goût bien. On a dû le changer, les ménagers, la mauvaise assa, il y a un seul chat chez eux. Bon, ben, ça, on a quand même dit, on a quand même dit, hein, c'est bien. Ami Jibu a voué à la chaboula, à la chiliwa, 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 c'est bien. Là aussi, le gratin semble avoir reçu de bonnes notes de la part du jury. Dernière étape de ce dîner est le dessert préparé par Madame Atiki. Verdict. Merci, je te dis. Dessert, c'est bon. C'est vrai? Ah bon? Qu'est-ce qui est bon? Ça. Alors, est-ce que tu manges ça dans ton école? Hein? Non, tu manges pas ça. C'est à la cantine. La cantine, oui. Il y a une dessert à Madame Atiki à Kofana. C'est le voisin qui donne un peu moins à voir ta ça marche dans la diva on a besoin de boule à espagnol lui est dessert. Alors Yacine, comment tu trouves le dessert? La pomme elle est bonne aussi le gâteau. Et Jaïda, c'est bon? C'est la phase finale de notre dîner, nos tartes aux pommes. Ah, c'est pour pouvoir digérer le gratin de banane qu'on a mangé tout à l'heure. Bon, je suis allé à la baie, je vais finir le portage. Ça va, je vais aller sur le massif, je vais aller. Bon, je vais aller.
C'est aussi c'est une occasion de rencontre pour la communauté comorienne de Guyane. Nous sommes passés chercher M. Ibrahim au lycée Félix Eboué. M. Ibrahim nous amène visiter un lieu qu'il ne nous a pas encore révélé. J'ai terminé la matinée au lycée Félix Eboué, que je suis ici depuis 2 ans. Au lycée Félix Eboué, l'un des plus grands lycées de Guyane, ici à Cayenne, le chef-lieu. Ça fait déjà 2 ans que j'enseigne l'histoire-géographie pour les 3 niveaux de lycée. 2 classes de seconde, 1 classe de première et 2 classes de terminale. J'ai fait un premier séjour de 2005 à 2008. Donc j'ai été séduit par la Guyane, le seul département d'outre-mer qui est continent, voisin du Brésil. Donc c'est alors qu'est-ce qui vous y plaît en Guyane? Ce qui me plaît ici, c'est... C'est le climat? Il y a le climat, mais il y a aussi l'ambiance, c'est cosmopolite. Donc vous avez des Brésiliens, vous avez des Haïtiens, vous avez des Dominicains, vous avez des Européens, vous avez des Surinamiens et vous avez les Guyanais et les Chinois. Une forte communauté chinoise ici. Donc il n'y a pas le racisme qu'on peut sentir ailleurs, par exemple comme en Martinique. Je me plais bien, donc j'ai fait 3 ans de séjour ici. Donc la vie est quand même moins chère que par rapport aux autres îles que j'ai déjà faites. Et Dieu sait que j'étais à La Réunion, j'étais dans le Caraïbe et avant de venir ici. Donc je suis parti dans une autre île de l'océan Indien qui s'appelle Mayotte. J'ai fait 4 ans là-bas. Et au lieu d'aller ailleurs, je réintègre la Guyane dans le cadre... des produits tropicaux, on retrouve les mêmes produits tropicaux que chez nous. Le petit seul inconvénient, mais pas assez grave, c'est au niveau du climat. Parce que je viens d'un pays qui s'appelle les Comores, où le climat est tropical. Ici, c'est un climat équatorial. Il fait chaud, et quand il pleut, il continue toujours à faire chaud. Voilà. Et ça c'est le côté un peu négatif. Bon, nous aimons la Guyane. Voilà. Il y a le côté biodiversité, il y a le côté côté milieu naturel. Et c'est bon. Mais aussi un centre de formation des apprentis. Là, de la chambre du commerce et de l'industrie de Guyane. Comme ici, dans l'espace consulaire de formation, mais il y a une agence de France. Cet espace consulaire, on a la chambre du commerce et de l'industrie de Guyane. Il y a plusieurs formations qui sont dispensées ici, à l'EBTS en première année, en deuxième année, qui sont en alternance. Je viens ici parce que je suis formateur d'une matière qui s'appelle culture générale expression, c'est-à-dire français. Donc je forme les 2e année. Nous sommes donc au centre de formation des apprentis, où M. Ibrahim assure des cours de culture générale. Je suis curieux de visiter l'intérieur de l'établissement et de faire connaissance avec ses collègues. Nous commençons par le personnel de l'accueil. Nous suivons notre guide dans les grands couloirs du premier étage. À la salle des formateurs. Ah. Oh, tu t'es fait beau, hein, à ce moment-là.
Voilà. Donc ça c'est la salle du formateur. C'est Monsieur Lacréau qui est le responsable pédagogique. Ça c'est mon fils. Ah d'accord. Voilà. Donc tu. Ah ouais, donc tu veux qu'il te. Dans ta classe. Tu as classe? Non, non, je n'ai pas de classe. Ah non, mais tu le fais venir le jour où tu n'as pas de classe. Bien sûr. Ouais, oui, donc voilà, là, c'est la salle de réunion pour tous les formateurs, mais aussi pour les conseils de classe. Si le conseil de classe est semestriel, on évalue les formateurs, on évalue les élèves, les stagiaires, pardon. Et puis après, le deuxième semestre commence de mars à de février, enfin oui, de mars jusqu'au mois de juin. Bon, il y a les examens finaux. Voilà. Alors, ici, j'ai Métis, qui est un de mes élèves. Non, c'est quoi, un reportage? C'était mon fils. Là. Alors, c'était le reportage. C'était Métis qui est en BTS GO2. Voilà. Bonjour. C'est parmi les meilleurs élèves là. Ah bon, merci. Voilà, donc on rentre. Et ce sont les classes là? Ce sont des classes. D'accord. Donc il y a l'NRC Relations Clients, il y a les CGO, c'est-à-dire Comptabilité, Gestion, Organisation, il y a les Management d'unités commerciales, il y a aussi un autre. Voilà. Alors, qui est la responsable pédagogique, qui est très sympathique, très hospitalière, voilà, qui s'occupe. Bonjour madame. Oui, bonjour. Voilà, il fait un petit reportage sur mon fils. Oui, bonjour. Bah, écoutez, effectivement, être en contact avec les formateurs, c'est leur permettre d'accompagner ces jeunes sur l'aspect, la transmission des compétences. Et donc, je coordonne le tout. Et nous avons un objectif à atteindre, c'est d'obtenir l'égal ou les 64% ou plus. Que chaque formateur vient avec des compétences bien particulières. Hein. En l'occurrence, M. Ibrahim, c'est culture générale et expression. Très important, sachant qu'aujourd'hui, nos jeunes ont quelques difficultés en tous les cas en culture générale et expression. Et effectivement, je crois que c'est une matière qui est incontournable. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, ici c'est aussi souvré. Donc, c'est encore les chers dames qui nous travaillons en collaboration. Bonjour. Alors, Amélie Koutana, CPE, en charge donc des jeunes pour le suivi pédagogique. Voilà. Merci. Je vous avais Bonjour, je suis Grégoire, assistante de formation, suivi administratif des jeunes et en entreprise aussi. Yes. Bonjour, je m'appelle Jean-Gilles Mignon, je suis étudiant deuxième année de BTS CGO. Alors, je suis Karine Chanteur, chargée de relations clientèle au CFA de la CCIJ. Donc j'ai la charge de pouvoir placer les jeunes en entreprise et faire un suivi aussi tout au long de leur année de formation. Joël Narcisse, donc conseiller en relations publiques entreprises. Comme je voulais vous dire, nous sommes chargés du placement des jeunes apprenants en entreprise, le suivi professionnel et établir des documents, des rapports sur la capacité des entreprises à accueillir les apprenants du CFA de la Chambre de commerce. Et puis, bonjour à monsieur l'Indien. Bien de choses à me commettre. À bientôt. À bientôt. Merci, monsieur Ibrahim. Merci bien. Et puis, on vous attend. Nous vous attendons venez pour le carnaval, voir. En tout cas, venez nous voir. Merci. Nous avons fait le tour des services et rencontré les charmants et souriants collègues de M. Ibrahim. Ah d'accord. Son passage en piège. Voilà, c'est le directeur. De... Bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, donc... Nous avons été très bien accueillis aujourd'hui. Vous faites un travail remarquable ici avec les jeunes. Et donc, M. Mohamed, que vous connaissez depuis un certain temps, donc votre collaboration est importante? Oui, tout à fait.
C'est quelqu'un qui en compte beaucoup comme enseignant. C'est un des anciens. Donc, même si on a de nouvelles matières, de nouvelles filières plutôt cette année, on compte beaucoup sur nos anciens. C'est quand même beaucoup d'expérience qu'ils nous apportent. Les Comores vous disent quelque chose? Oui, quand même. Je sais au moins où ça se trouve, le CRN Dier. Mais effectivement, je n'ai pas eu l'occasion encore d'y aller. D'accord. Même si j'ai ma soeur qui n'est pas loin. Ah ouais. À Mayotte. À Mayotte, ah ben voilà. Tout à fait. C'est dans le territoire. Oui, tout à fait. J'ai l'occasion de la réunion, mais les Comores n'ont pas encore. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir dans l'établissement, nous permettre de découvrir ce que vous faites. Encore merci. Nous garderons un bon souvenir du CFA de Guyane. Un des atouts de la Guyane, c'est son fleuve et sa côte, avec des vues imprenables sur la mer. Alors, nous sommes ici à la place des Amandiers, à Cayenne, le chef-lieu du département. C'est une place très paradisiaque, parce qu'il y a la mer, le paysage de la mer. Pour les amoureux de la mer et de la tranquillité, des lieux comme celui-ci sont des petits bijoux. Ils viennent y retrouver calme et zénitude. Donc c'est un lieu de rencontre, d'amusement. Bon, beaucoup de monde vient ici le soir, voilà, pour reposer. C'est très reposant. On a la vue de la mer, on a la mangrove à côté. Donc c'est parmi les lieux les plus fréquentés. Nous quittons la mer pour aller au centre de Cayenne. Et ici, nous sommes à la place Palmis. Et en face de la place Palmis, on a la chambre de commerce et de l'industrie. Nous sommes devant des immeubles qui datent de la période coloniale. Donc finalement, maintenant, ces maisons vont être transformées en maisons de culture et de mémoire de la Guyane. La place de Palmis, c'est la place des fêtes d'ici. Toutes les différentes communautés qui composent la Guyane, les gens du fleuve, à l'exemple de Bushilingué et de Saramaka, ils viennent organiser des fêtes culturelles, voilà, pour montrer leur identité. La visite de Cayenne serait incomplète sans avoir jeté un œil dans son marché et sa poissonnerie. Bien entendu, les produits de la mer prennent une grande place dans l'économie locale. Au centre-ville de Cayenne, la place Palmis est un lieu très animé, le jour comme la nuit. Ces visiteurs peuvent contempler le monument de Félix Éboué, un des grands hommes de la Guyane. Pour nous faire rencontrer les Comoriens de la Guyane, Monsieur Atiki, que nous avons déjà rencontré, a décidé de réunir toute la communauté chez lui. Une grande invitation en mon honneur. Adultes et enfants se sont réunis dans la grande maison des Atiki, à l'extérieur de Cayenne. C'est le combat de nos enfants, de nos parents. On la donne. On déteste, on fait les tests.
Bonjour, je suis Mlana Ojorge, accompagné de ma femme Ferou Zatipi, et de India Mlanao et de Ilan Mlanao. On est en Guyane depuis 4 ans dans le cadre de mon travail, car je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et je suis détaché en ce moment au centre spatial guyanais, donc en Guyane. Voilà la raison d'être de notre venue en Guyane. Et là, on est sur notre quatrième année, puis au mois de juillet. Salam alaikum, bonjour à tous les Comoriens qui nous regardent. Donc nous sommes la famille Mohamed, alors de Caltex, Mungwe et Mangani aussi. Donc voilà, je vous présente la petite famille qui on se trouve actuellement en Guyane. Et nous on habite sur la commune de Rémière-Montjoly. Et donc là on va vous présenter un petit peu la famille. Donc il y a mon épouse Saïda. Donc là, le grand, l'aîné, c'est Zahir. La deuxième, Kaina. Et le dernier, c'est Liad. Nous sommes arrivés en Guyane en juillet 2012. Et là, on entame notre deuxième année. Inch'Allah, on est là pour 3 ans normalement, si tout va bien. Donc, je vous ai un Manel. Donc, nous sommes arrivés à Katibano, à Karazan Humaine. Donc, le 14 juin, à Gassibuyan, depuis cet été. Donc, mes militaires, les manas, on avait voir nous, à la première chose. Je suis venu voir quand les Chambani, à Réjamouno, à Sénimouma, à De la France, mais on est bien ici quand même. En plus, il y a tout le monde qui sont là, donc ça nous permet de rester connectés au point de vue comorien. Et voilà, franchement, c'est tout ça bien. Et je vais passer un petit message pour toute ma famille qui sont au Comore, en France, là, Paris, Marseille, Marseille. Et la Réunion aussi, mes belles familles qui sont en France. Et pour vous dire que je vous aime, d'origine comorienne, on est venu à Bambao. Delphine, pareil, elle est venue à Bambao. Et Johan, lui, le directeur de la famille, qui est né à Mayotte et à Mamoudzou. Voilà, moi je suis de Marseille, je suis professeur. Donc j'ai atterri ici à Guyane après un petit passage à Mayotte pendant 4 ans. Et après avoir connu Aïcha, donc j'ai connu aussi les Comores. J'aime ce pays, je me sens un peu frère quoi, de cette communauté. Assalamu alaikum. Mon amour pour la passion bonne, on retrouve au train d'accident. On est en 2013, c'est à peu près en 2012.
c'est une troisième année. Au lieu de la langue 2015, de la langue 2016. Et il y a mon académie, qu'est-ce qu'on a aussi, Salamu alaikum, watoto, wamfanya ni mna surprise ya po bismillah. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانصب وإلى ربك فارغب. De qui? Bismillah l'Orman Yohim Alifu B T C Chim He Ri Dal Zal Ri V Sin Chim Swad Lwad Te Z Hang Hang Te Kam Kam Lam Mim Mim He Lam Alif Ya Wasalam. C'est à qui maintenant? À moi. C'est à Manel. En plus, Manel, elle ne sait rien. Elle ne chante jamais ça. Nous, on chante tous les soirs. Sous la pression de la foule, notre ami qui a pourtant bien révisé a un petit blocage. Ce sera pour une autre fois.
Je ne sais pas chanter. Assure pas de toi. صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et maintenant, c'est au tour de Nadjim. Johan, lui aussi, a bien révisé. Mais la foule l'impressionne un peu trop. Bravo quand même. Vas-y, dis. Chut, chut. Bismillah. Bismillah. Rahman. Rahman. Rahim. Ouais. Les enfants nous ont préparé une surprise. Qu'est-ce que vous pensez de ces prestations? On est né avec dans une religion qu'on applique. Donc nous, quand on avait leur âge, nos parents nous avaient l'école coranique. Bon, on a appris à lire comme eux. Donc nous, à l'occasion, même si on a Cayenne, parce que partout on est, Allah il y est. Donc partout, si on veut, on peut toujours. On se réunit entre nous, on a fait tous les dimanches, les enfants ils se voient, et ben, ils lisent un peu. Est-ce que c'est difficile de faire ce travail-là, du chioni? Je pense que ici c'est moins difficile qu'en France, parce qu'en France on vit toujours loin, mais ici on est à Cayenne, c'est comme Moroni, comme chez nous, donc tout le monde a une voiture, bon, on se réunit là où on se dit bon, le dimanche on se voit à tel endroit, donc on se voit et les enfants ils disent, donc il n'y a pas de problème. Aïcha, est-ce que c'est un travail qui est compliqué ici? Pas forcément, c'est pas compliqué, mais il y a eu deux gens qui sont en difficulté de déplacement aussi, parce qu'il y a les gens qui travaillent 24 heures presque, et c'est très difficile de s'organiser par rapport dans notre pays, parce qu'il y a la famille à côté, il y a l'école coranique à côté, mais loin de chez nous, les organisations, autant que par rapport ça dépend du travail qu'on fait, parce que si on a une mère de famille à la maison, qu'on ne travaille pas, on a le temps quand même à concentrer par rapport aux enfants, de prendre notre religion. Mais si on a une mère qui travaille 24 heures, organisation, les enfants et tout, c'est un peu difficile quand même par rapport d'organiser par rapport à loin de notre pays. Parce que moi j'ai fait l'école coranique, je connais le Coran par cœur, j'aimerais amener mes enfants pour apprendre parce que c'est notre religion et je fais le ramadan, même on est dans le chenou, on applique vraiment, on est content
d'écouter les kassidas, les moments de Ramadan, sur les retrouvailles. Mais c'est... Ici, c'est difficile. Comment on y arrive, justement, Zahra, Nourouata, tout le monde peut intervenir. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le Ramadan ici, ce sera pour cette année. Mais je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais effectivement, je rejoins à ce qu'elle a dit Aïcha. C'est très difficile au niveau de l'organisation d'accompagner les enfants chez lui. J'avoue qu'en travaillant, finissant tard, si mon mari est sur le terrain, je n'amène pas les enfants chez lui le dimanche matin. Donc pour le faire, en fait, il faut qu'il soit là et que tu les accompagnes chez Oni le dimanche. Non, mais nous, en tant que militaires, c'est pas trop facile pour nous parce que bien souvent, on n'est pas là ou ceci, cela. Mais heureusement, il y a les dames qui sont là avec des corasses pour bien enseigner aux petits. Mais c'est vrai que partout où on part, la religion, elle est énorme, elle est importante. Elle est importante et donc souvent on a les livrés pour cela et c'est grâce à ça, Dieu merci. C'est... Disons pour moi, père de famille, en fait, c'est d'une grande responsabilité en fait, de donner l'éducation religieuse en fait, à mes enfants. Donc pour cela, en fait, avec Saïda, mon épouse, elle enseigne à la mosquée de Kayem pour les femmes en fait. Et pour les filles, en fait, femmes, filles, elles s'occupent de ça. Et, machallah, il y a des frères aussi qui sont là et qui donnent des cours aussi aux enfants de tout âge. Et, vous arrivez à trouver cette disponibilité dont parle Aïcha, par exemple, pour y aller pour, c'est vrai que ce n'est pas évident quand, avec les emplois du temps qu'on a, etc. Comment vous... Je pars de... Après, chacun... à ses propres impératifs, mais je pars du principe que on a des impératifs nous en tant que parents et en tant que musulmans, c'est-à-dire on travaille tous les jours, on travaille 8 heures par jour pour gagner un salaire que des fois à la fin du mois on n'a même plus d'argent. Alors que là, qu'est-ce qu'on travaille? On travaille pour notre avenir. Et notre avenir, c'est quoi? C'est la fin et quand on va mourir. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir des hasanat. On va avoir des bons points et ça fait partie. Parce que qu'est-ce qui va me rapporter des points? C'est quoi? C'est mon fils quand il va me faire un douan quand je serai mort. À quelle solution? Déjà, c'est vrai qu'il y a un danger. Si tu veux, dans la mondialisation, dans les vies un petit peu qu'on mène, loin de nos racines, il est facile justement de se perdre. Et c'est vrai que c'est un petit peu de notre responsabilité de leur faire prendre conscience de qui ils sont, d'où ils viennent. Et c'est un peu la raison aussi de notre volonté à nous réunir dans cette communauté. Je pense que c'est fondamental de ne pas perdre ses racines. Dans la mondialisation, justement, ne pourront survivre que les gens qui auront des valeurs. Et ces valeurs, c'est toute la transmission culturelle qu'on peut avoir. Et moi, je me bats, par exemple, pour ma fille Delphine, pour qu'elle ne perde pas ce lien et qu'elle se souvienne toujours de qui elle est, quoi, profondément. Pour moi, c'est fondamental. Donc, d'une part, je vous remercie. De votre présence ici, ça c'est une première chose. Donc que votre présence est nécessaire parce que demain on va voir aux Comores qu'il y a une petite communauté comorienne en Guyane. Et je remercie aussi tous les gens présents, surtout ceux qui nous ont accueillis dans cette maison, la famille Atiki, et tous qui ont contribué à cette réussite de cette journée, qui montre que voilà, nous wapiha. Donc, mais je les ai remerciés. Qui montrent que, et les enfants, qui montrent que partout où on est, quel que soit, donc on essaie de se regrouper, parce que c'est une force, parce qu'on est loin, mais malgré tout, il y a une solidarité, il y a une cohésion entre nous, et ça c'est une très bonne chose. On se quitte donc sur ces paroles, mais pas avant d'avoir goûté au dessert. Pour mon dernier jour en Guyane, j'ai voulu faire un aller-retour sur le fleuve du Maroni. Pour cela, avec Aristide, Monsieur et Madame Ibrahim et Nourouata, nous avons parcouru 250 km vers l'ouest de la Guyane. On est programmé. Bon, on va aller là où il y a l'emplacement des pirogues. Arrivé à Saint-Laurent, un ami d'Aristide nous indique le bord du fleuve, où on embarque pour Albina. Du coup, Aristide, tu vas venir ou... Oui, je vais revenir ici.
tu vas revenir ici donc. Non, d'accord. Je ne vais pas aller en Suriname. D'accord. Non, je ne veux pas aller au Suriname. Pourquoi? Je n'aime pas les pirogues. Je n'aime pas. Voilà. Comment? Quand j'étais petit, je prenais les pirogues. Je ne savais pas. C'est là, là. C'est à gauche? Il a dit. Ah, je ne sais pas, oui. Je n'ai pas entendu. Ah, oui, oui. On dirait que ça. C'est... Ouais, pas. Vous n'avez pas peur? Oh, bon, c'est une question d'habitude. On n'a pas peur. Personne ne peur. Moi, c'est la deuxième fois, je n'ai pas peur. Ah, tu as vu? Moi, j'aime. C'est la première. La première ah, oui, fois, c'est la j'ai. Fois. Non, moi, j'ai, j'aime ça pas. Fait peur. Moi, j'aime pas. Oh là là, là. Parce que la période peur. Où je peux mettre ma main dans l'eau, là, j'aime pas. Je n'ai jamais aimé. C'est pas nager. C'est quand là. Je veux. Ah non, non, j'aime pas. Je ne sais pas nager. Mais puis, je ne souhaite même pas que j'ai besoin de nager. Aristide, comment on fait? Comment on fait? Tu viens ou tu viens pas? Non, je viens pas. Hein? Et pourquoi? Non. Bon, tu as un peu le mal de mer. C'est le mal de mer. Bon, mais écoute. Hein? Non, mais j'espère que tu seras pas obligé de le faire un jour, hein? Bon, en tout cas, on se revoit tout à l'heure, hein? Quand notre ami Aristide, il n'embarque pas avec nous, la pirogue n'étant pas son moyen de locomotion préféré. Vas-y, vas-y, merci. Oui, à tout à l'heure. Oh là, la première fois, on a payé 2 euros. Ah, ça augmente, ici, si ça augmente, c'est les tripes. Hein. Ouais. Et puis, c'est eux qui augmentent le prix, non? Il a dit 3 euros, c'est moi qui ai dit 2,50 euros. Oui. Parce qu'ils essayent toujours quand les gens ne sont pas au courant. Mais c'est voilà. Nous, on négocie pas, tu vois, on a dit 2,50 euros, ça lui allait tout de suite. Parce que, bon, on aurait demandé à 2 euros, ça aurait marché aussi. Voilà. 2 euros, c'est comme ça. Voilà, il faut que vous vous en parlez. Non, je ne sais pas, on n'a pas peur. On est fiers de venir visiter. Mache Juhawen. Ni ke pie. Juhawen. Je m'approche du commandant de bord. Manœuvre son engin avec une dextérité impressionnante. Demander de ne pas régler le billet aller, mais plutôt au retour. Il vient par une technique bien rodée de s'assurer que le retour sera fait à bord de son embarcation. Stratégie toute simple pour éviter que la concurrence lui fauche ses gains. On est en train de passer une frontière sans contrôle. À Albina, nous faisons qu'un petit tour. Nous n'avons pas le temps d'aller plus loin. Ça fait réellement non. La pirogue est un peu plus remplie.
des clients, des marchandises repartent avec nous. Pardon. Est-ce que vous habitez plutôt du côté de Saint-Laurent? D'accord, d'accord. Donc vous y allez régulièrement quand même? Non. C'est une fois par an, c'est tout pour visiter, voir comment ça se passe ici. D'accord. Donc, on a vu, c'est intéressant pour acheter des choses, par exemple. Alors, vous avez fait quelques emplettes, non? Et vous? Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup. Comme ses visiteurs, de nombreuses personnes venant de Saint-Laurent traversent tous les jours le fleuve pour venir à Albina, faire du tourisme, du commerce et pour la famille. La traversée est terminée, ça valait bien la peine. Mais on n'a pas terminé la visite de Saint-Laurent. Nous sommes ici à l'ouest de la Guyane, à Saint-Laurent. C'est la ville principale de l'ouest guyanais. On a un fleuve qui s'appelle le Maroni, qui sépare le Suriname. Oui, donc on a passé un peu de temps sur le Maroni. Hein. Sur le Maroni, on a fait la traversée en pirogue. C'est le moyen de locomotion le plus rapide et le plus utilisé par les habitants de Saint-Laurent, par les habitants d'Albina du côté du Suriname. Alors on a vu que ces personnes justement l'empruntent régulièrement, mais... J'étais étonné de ne pas voir de contrôle du tout. On ne peut pas contrôler parce que ça vraiment il faudrait trois régiments militaires là pour pouvoir contrôler. Parce que l'afflux est vraiment immense. Et puisque c'est le même peuple, bon voilà, il bouge à longueur de journée. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un contact continu comme ce que nous avions aux Comores, tiens, ça nous fait penser à... Oui, mais parce que quand vous voyez un Surinamien ou quelqu'un du Guyana, et un Guyanais, morphologiquement, tu as du mal à faire la différence. C'est le même peuple. Ce sont les Bushilingués, qui sont en grand nombre ici. Ce sont les gens du fleuve. Donc, ils se connaissent mieux, ils parlent... Il parle le taki-taki, bon voilà, c'est la langue d'ici la plus courante. Bon, donc, et puis, bon, finalement, du côté du Suriname, on parle le néerlandais. Mais l'irlandais, bon, c'est souvent le taki-taki ou bien un peu le créole. Alors, on a vu des personnes qui ont été visitées, tout simplement, en partant de Saint-Laurent, et qui vont pour faire des courses, parce que c'est plus intéressant de l'autre côté. Du côté Suriname, côté surinamien, la marchandise coûte moins cher, les produits alimentaires coûtent moins cher que du côté français. En plus, il y a la devise. Donc, ils utilisent l'euro, en échange de leurs achats du côté surinamien. Et puisque la monnaie locale là-bas, c'est le dollar surinamien, est tellement très bas, donc finalement, ils arrivent à faire une bonne affaire. Et donc, la police de l'air de frontière, il ne peut pas... contrôler. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça pour l'île de Mayotte, ou depuis 1995 avec l'instauration de ce visa baladure, des milliers et des milliers de morts sont constatés presque toutes les semaines. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu sur votre question, mais il y a le fait que ce sont des îles, c'est tellement très petit, ils ont beaucoup plus de moyens. Ici, c'est un continent, c'est tellement très vaste. Et ici, la gendarmerie et la police nationale ont peur de leur vie.
Parce que un gendarme qui interpelle un Guyanien ou un Surinamien, c'est toute la communauté qui le rentre là-dedans. Donc, pour une question de sécurité, il contrôle les bateaux, voilà, qui fait la traverse, qui font les traversées tout le temps, les bateaux qui amènent les voitures, mais pour les piroguiers, non. Pour revenir à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un endroit qui est chargé de chargé d'histoire, chargé de vestiges historiques. Effectivement, puisque nous sommes ici dans le camp de transportation. C'est dans ce lieu qu'on emprisonnait les anciens prisonniers les plus dangereux. Donc c'est connu ici comme c'est le bagne ici. Donc en Guyane, quand on dit le bagnard, ce mot... ce sont les prisonniers les plus dangereux qui ont marqué la période de l'esclavage, qui ont marqué la période coloniale. Donc maintenant, c'est devenu un lieu historique chargé de la mémoire de l'esclavage, chargé de la mémoire de l'histoire de la Guyane. Donc ici, comme l'île du Diable, là où on avait emprisonné Dreyfus, ce sont des lieux mythiques, mais aussi des lieux qui sont liés à l'histoire de ce département. Comment partir de ce camp de transportation sans être touché par une certaine présence de ceux qui ont habité ce lieu et marqué de leur vie l'histoire de la Guyane? Comme toute chose a une fin, notre voyage arrive à son terme. Ce serait vous mentir si je vous disais que je ne suis pas attristé par mon départ. Au revoir la Guyane. De retour à Lyon, le ciel, à sa manière, me souhaite la bienvenue.